Bonjour, moi c'est Solène, je suis CXO chez Le Vapoteur Discount, une entreprise e-commerce qu'on a cofondée en 2018 avec mon conjoint Morgan et son meilleur ami Alexandre. Mon rôle dans l'entreprise, c'est de garantir une expérience client exceptionnelle, que ce soit de l'achat de la commande jusqu'à l'expédition de la commande. Le Vapoteur Discount, donc un site spécialisé dans les produits du vapotage, est né d'une conviction commune qu'on a eue avec Morgan et Alexandre. Étant d'anciens fumeurs tous les trois, quand on a essayé le vapotage, on a été de suite persuadés du potentiel du vapotage pour réduire les risques liés au tabac. C'est pourquoi notre équipe s'efforce au quotidien d'offrir à nos clients la meilleure expérience utilisateur possible pour les aider dans leur transition du tabac vers le vapotage. Depuis sa création, le Vapoteur Discount est devenu un des leaders sur le marché du vapotage grâce à des prix attractifs, un large catalogue produit et un parcours client simple d'utilisation. Je dirais que la principale valeur du Vapoteur Discount, c'est l'unité, qui se traduit par un ensemble de 30 collaborateurs qui réussissent à travailler main dans la main quotidiennement pour offrir à nos clients la meilleure expérience possible. On recherche des personnes passionnées et proactives, prêtes à s'engager dans notre mission, qui est de proposer à chaque fumeur adulte un sevrage tabagique durable dans le temps. Bien évidemment, on valorise des compétences propres à notre cœur de métier, que ce soit en e-commerce, service client ou encore en logistique. Rejoindre le Vapoteur Discount, c'est s'engager dans une entreprise à forte croissance qui place l'innovation au cœur de sa stratégie. C'est aussi l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et bienveillant où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et avoir un impact direct sur notre succès. On a deux fortes ambitions pour le futur. La première, c'est d'accroître notre chiffre d'affaires de 10 millions à 100 millions d'euros. Et la deuxième, c'est de convertir les 15 millions de fumeurs restants en vapoteurs.